Et salut tout le monde. Coucou. Donc bienvenue à tous pour cette 7e partie de Devil May Cry. Donc je vous remercie toujours à tous de vous abonner encore de plus en plus nombreux. J'en suis le premier surpris, hein. C'est vraiment impressionnant de voir au moins une personne par jour s'abonner. Ça fait très plaisir. Au moins ça prouve que notre travail commence à rapporter un peu ses fruits. Donc désolé hier de ne pas avoir posté de vidéo parce que j'étais, on va dire, un peu fatigué et donc très beaucoup trop râleur pour le jeu. Donc j'estimais que ça n'allait pas être très agréable du tout de m'entendre râler en permanence, surtout qu'en plus je râlais vraiment sec, vraiment pour aucune raison en plus. Donc voilà, je préférais reporter la vidéo un jour. Et puis en plus, donc, si j'arrivais à râler, ma femme allait encore moins se parler, donc déjà qu'elle ne parle pas beaucoup des études. Ça aurait été dommage. Donc là, on en est au chapitre je ne sais plus combien. Et puis donc, on va aller voir ça tout de suite et on va attaquer au plus vite. Donc voilà, on va charger notre petite partie. Alors vous voyez, sur la partie 4, je suis déjà à la mission 20, hein, parce que 19 réussit. Donc c'est la dernière mission. Et là, ici, nous ne sommes qu'à la 13. Et oui, on avait battu Virgil, en effet, oui. Donc on va pouvoir revenir là où j'en étais normalement de cette partie-là, parce que j'avais récupéré donc la partie où j'en étais déjà à ce niveau-là pour la remettre au chapitre 11, puisque j'avais galéré contre le gros monsieur à pleine lumière. Donc là on peut revenir dans l'ordre normal des choses, donc j'ai bien le pouvoir Quicksilver, ça y a pas de souci. On va récupérer aussi une arme que j'avais déjà récupéré, mais que là donc on ne verra pas, mais je vais vous montrer comment on la récupère normalement. Voilà pourquoi je vous parlais à chaque fois des statues, des statues qui traînaient dans le château. En fait, elles sont pas juste là pour le décor. Et donc le but, après d'être redescendu deux fois, hein, c'est encore une fois de remonter tout en haut. On va remonter en bas. Donc là on va tout en haut, on remonte pas juste d'un haut, on remonte de tout en haut. J'y crois que je peux. Hein. Mauvaise foi. Me justifier. En fait, t'as bien cloué le bec, donc je me suis bien justifié. He's my father. Besides, who else can undo what he's doing? Allez, mais t'aurais pu... Va aller tout en haut, au moins comme ça, voilà. Oui, voilà. Tout à fait. Bah, je suis bien d'accord. On va remonter tout en haut. Je suis bien d'accord, mais n'empêche que j'ai réussi à me justifier. A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. Donc le petit 14 qui traîne, hein, évidemment. Bon, celui-là, si vous le voyez pas, hein, c'est vraiment le mouvement de caméra pour le montrer, parce que sinon, il sert strictement à rien. Alors, que pouvons-nous acheter? Je pense pas grand-chose. À 20 000, on peut rien acheter.
Donc, on a des armes que j'ai récupérées ici, normalement, qui traînent là, juste là. Donc, c'est pas Miss Erudra, donc vous allez voir ce que c'est. Et en fait, c'est tout simplement ben, les armes que Virgile avait. Les armes de Beowulf, justement. Qu'il faut logiquement s'équiper. Pour pouvoir péter une statue, pour pouvoir ouvrir l'accès à une porte. Bon, là, la porte est déjà ouverte. Hein. Parce que la statue, je l'ai déjà pétée. Voilà, et j'aime pas parce que il change pas vraiment de coup, donc pour faire des combos c'est pas forcément évident. Donc logiquement il n'y a pas grand chose à récupérer, voilà. Et la porte dans la statue gêner l'entrée est ici. Donc il y avait normalement il y avait une statue où il faut faire un certain combo pour la casser. Donc justement avec les armes de Beowulf. Donc, je l'ai déjà fait, c'est pour ça qu'elle n'y est plus, hein, parce qu'ils vont pas me redonner un bout de sphère bleue à chaque fois. Alors ici pas grand chose, donc on continue à tracer s'il le veut bien. Et on se retrouve ici. Donc on n'a plus le droit à la mission cachée. Et donc on a le droit, en gros, de refouiller un peu tout le monde parce qu'il y a, il y a des sphères qui se sont débloquées. Voilà, bon, je crois que non, il n'y a pas grand chose. Ça va être pour plus tard. On va voir le. Moi, quand j'étais arrivé, j'ai vu une sphère rouge. Oui, mais c'est que des sphères rouges, je veux dire. C'est, moi, quand je parle de sphères, c'est carrément des sphères jaunes. C'est un peu plus intéressant. Ou des sphères bleues qui traînent aussi. Et en fait, donc, on va avoir l'occasion de pouvoir revenir au bureau de Dante. Et justement, il y a une sphère jaune là-bas, donc tant qu'à faire, autant éviter de l'oublier. Donc ici, souvenez-vous que c'est là où il y avait la première énigme avec les lumières. Donc en fait, il n'y a plus rien qui traîne. Mais il n'empêche que si vous avez raté la mission bonus, elle est toujours là. C'est la mission secrète. Qu'est-ce que je fais? Il allait me choper celui qui est tout loin alors qu'il en avait tout près. Ouais, je suis un peu couillon d'avoir fait ça. Ça c'est juste histoire de récupérer deux petites sphères rouges qui traînent. On va récupérer la petite vie aussi, histoire de se faire zizir.
pas le temps d'esquiver. Avant de quick, non. Parce que toi, ça va donner envie après. Non, non, j'ai pas fait, j'ai mangé, donc ça va. Pourquoi quick chicken, je sais pas quoi là, le Mac. Non. Le Giant Chicken, il a l'air pas mal aussi. Bon, rien à voir en bon McDo. Ah bah ça, ça dépend des goûts, hein. Eh ben ça, pas sauter assez loin. Voilà. Plus on récupère toute la vie grâce au double S. C'est pour ça que là, dans celui-là, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt de se faire chier à savoir faire les combos correctement, puisqu'en effet, vous êtes gratifié par le... bah, par des sphères vertes, hein, tout simplement. Si vous perdez un peu de vie au passage, bah, c'est pas bien grave. Alors que dans le reboot, bah, malheureusement, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils en donnent pas. Donc là, remarquez qu'on se retrouve pas dans la salle du Beowulf, mais dans une autre salle. Et on va devoir battre des ennemis pour pouvoir sortir d'ici. Ça fait du bien. Alors là, vous prenez pas trop la tête à savoir quoi ouvre pas. Vous allez là où vous pouvez y aller, et puis c'est tout. Hein. Donc on peut pas y aller. Donc une nouvelle pièce du échiquier. Je pense que vous aurez remarqué le cavalier. Le simple fait que ce soit un cheval et qu'en plus ben ça a le pouvoir de sauter justement. Non, je trouve ça que c'est une bonne idée ça d'avoir. Oh ouais vraiment c'est. Encore que t'as pas vu les chicanes entiers encore. Franchement non, ils se sont gavés hein. Ouais. Je viens de voir un truc qui brillait là. Un objet que j'aurais peut-être oublié d'aller chercher à chaque fois. Et par contre, je sais pas dans quelle salle il me l'a ouvert donc. Ah, ici. Ah. Non, je vais sortir. Oula, t'as passé loin celui-là, hein. C'est le cavalier, parce qu'on entend le cheval. Oui, oui, oui. Attends. Il me fait mal à ton cheval, je veux dire. Si je fais ça, c'est qu'il est passé sur une vue, ça. Voilà. De cette histoire, et ben les employés n'ont plus de travail, ils ont fermé l'usine. Non. Si, parce qu'elle perdait, ou alors elle perd 200 000 euros par jour, c'est énorme. Ouais, mais elle perd 200 000 euros par jour, sur combien elle gagne d'habitude. Je veux dire, si elle a perdu 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est une différence entre 200 000 euros
et qu'elle est vraiment, elle se retrouve vraiment en déficit de 200 000 euros par mois. Quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a une différence entre vraiment perdre concrètement et. Je te dis qu'elle perdait 200 000 euros par jour. Voilà. Et après, on connaît pas tous les chiffres non plus. Hein, ouais, voilà, c'est sa faute à lui. Ouais. C'est toujours la faute des présidents, de toute façon. Bien connu. Y'a que eux qui travaillent pas en France. J'ai mis qu'on commence déjà à se soigner alors que j'ai touché personne. Pas quand il fait ça. Et ouais, j'ai été gourmand. Heureusement, il y a fin du spadus. Donc ici, logiquement, on retrouve un bout de sphère bleue, hein, mais comme je l'ai déjà récupéré, bah il n'y est pas. Ou résorbeta gourmandise gourmandise. Bah, quoi? Bah, t'as dit que t'étais gourmand, alors voilà, il y a fin du pour résorbeta gourmandise. Ah, d'accord. Ils vont me faire aller à l'hôpital. Mais non, puisque. Ah, puisque c'est mon cheval qui donnait un coup, c'est pour ça que je dis. Ah oui, j'ai bien compris. Mais Dante, il est pas malade, il s'en fout. Lui. Donc voilà, voilà, voilà. Alors ici, comme d'hab, on va tracer. Hein. Et vous remarquez là-bas au fond, au loin. Donc c'était à jolie anticipation qu'il a fait quand même, le monsieur là-bas. Donc une petite colonne de lumière bleue là qui se met en route. Donc c'est là-bas qu'on va aller. Et on se retrouve à la Zonzon. Et donc on va y aller au bureau. Pour justement aller chercher cette fameuse sphère jaune qui je suis sûr me sera très utile. On récupère quelques sphères au passage. Donc ça va me faire perdre un peu de temps, surtout par rapport au stats de fin, hein. Donc j'aurai pas forcément un rang S. Bon, déjà de toute façon j'ai pas l'habitude d'avoir un rang S. Mais surtout en temps en tout cas. Bon voilà, il y a l'utilité d'avoir la sphère jaune, donc j'y vais. Après il y a des combats, mais on n'est pas obligé de les faire. Ah ben j'avais dû la récupérer, donc c'est pour ça qu'elle n'y est pas. Donc on va se barrer. Apparemment vous avez vu qu'on pouvait retourner à la maison. Donc je vais en profiter pour récupérer la sphère verte qui traîne dans le coin. Voilà. Où il n'y a rien. Voilà, ici c'est juste histoire d'avoir des sphères. Hein. Ça change rien. Et on en arrive à la fin du chapitre. Et ton mec là, tu sais toi? Mais c'est la moto à Marie. La White Lady. C'est celle qui est tombée de si haut. Bah parce qu'elle a réussi à monter en hauteur aussi, Marie. Donc que des choses fort probables, hein, évidemment. Hein.
Oui. Si t'avais confiance, même toi. Non, surtout ce niveau-là, quoi. Il est en train de pencher vers l'extérieur du bâtiment. Il arrive juste avec sa pirouette à revenir à sauter à l'intérieur du bâtiment. Chose tout à fait probable. C'est le fils de Chuck Norris. Non, de Sparda. Non, de pas de Sparda. Sparda, c'est Chuck Norris. Triple A et un S, dommage. On va sauvegarder et vous allez voir ce que j'appelle les ennemis les plus chiants du jeu. Parce qu'ils sont vraiment très pénibles. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, je suis sûr qu'ils sont tout à fait de mon avis. On peut dire qu'elle a de sacrés bras quand même. Moi j'ai les mêmes bras qu'elle. Ouais, ouais. Et alors, quand tu fais 100 pompes, hein, tu fais 100 tes bras après. Hein. Ouais. Moi j'ai mal. Hein. J'en ai pas fait 100, je pense que j'en ai. Par là. Après je vais avoir des bras à la Sylvester Stallone. C'est ça. Et c'est toi qui me protégeras dehors. Moi, je suis encore loin, hein, parce qu'il paraît tout frêle encore, mes bras. Alors, on va changer à le Beowulf. On en a plus besoin. On va reprendre la Nice et le drap. La Nice, je m'en sers pas souvent. C'est parfois utile. Et tu vas y arriver. Voilà. Et voilà, nos nouveaux ennemis. Avec son clip appelle mon numéro avec les plumes et tout. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est chiant. Parce que d'une, déjà c'est hors de portée. En plus, ça, c'est une super portée. Voilà. Donc c'est toujours par deux en général. Voilà, donc là, hein, faut que je m'amuse à aller choper l'autre. Allez, ton orange, ça passe à travers les murs, ça se fait plaisir quoi. Et pendant ça là, ça peut quand même vous toucher, hein, faut même dire. Quand c'est comme ça, hop, on arrête le temps, on leur donne des coups. Et c'est pas ça qui les arrête pour autant. C'est pénible ces conneries, mais qu'est-ce que c'est chiant alors. Et l'autre il a mis où là ? Et l'autre il s'est reformé son bouclier, c'est bien. Ah c'est normal hein, je veux dire. Hein. D'accord, oui, mais je kiffe. Il met 100 ans à réagir, il met 100 ans à se relever, tout ça parce qu'il s'est pris un coup pour rien. Voilà.
remarqué qu'en fait ce n'est pas la tête de l'ange qui était la créature, mais c'était en fait son abdomen. Hein. C'est pour ça qu'il y avait le bouclier ici. Donc là par contre, cette mission là, je vais pas vous la faire en entier parce que bon, il reste que 5 minutes à peu près à enregistrer. Hop là. Et cette mission est assez longue. Donc, si je vous enregistre tout en même temps, ça va vous faire une vidéo d'une heure, une heure et demie. Ça va pas le faire. Allez. C'est pénible quand ça veut pas. Oui, mais c'est évident. En plus, je me fais un combat qui est totalement inutile parce que je peux me barrer déjà directement. Et comme vous pouvez le remarquer, il ne me reste déjà plus beaucoup de vie. Donc, oh, on ne peut pas y aller. Il nous faut 3 fragments d'oricalcon pour pouvoir faire avancer fonctionner l'ascenseur. Donc, on va chercher ça tout de suite. Donc c'est l'œil du Léviathan hein, qu'on voit là, par là où Dante est sorti. Donc c'est pas son iris, hein, c'est un trou. Le truc rouge au-dessus qu'on voit, ben, je sais pas ce que c'est, parce que de toute façon, vraiment bien trop haut pour qu'on puisse l'atteindre. Hein. Ça a l'air d'être un trampoline en plus. Donc ça est apparu, donc remarquez que la porte porte les mêmes symboles. Et donc voilà, en fait on a bougé toute la tour, donc on va se retrouver dans des endroits où logiquement on n'était pas censé être, et en plus des endroits activés, donc là ici il vaut mieux faire attention aux lames qui se trouvent sur les... je sais pas comment ça s'appelle, les engrenages on va dire. Donc hop, nouveau défi de taille. Là, passer au millimètre près, hein. Pendant que les ennemis vont venir vous casser des couilles. Bon, moi ça m'a fait passer, c'est déjà pas mal. Donc on récupère un fragment. On va malheureusement se donner de la vie, hein. Là, je vois pas trop comment faire autrement. Une petite étoile du diable qui va bien. Voilà, là on aura plus le temps pour passer. Voilà, ça c'est fait. Donc on revient en arrière. On tape directement sur ce truc là. On arrive à le faire sans se faire toucher par les oiseaux. Voilà. J'aime ma femme qui bouge le corps en même temps que je lutte pour aller dans le sens inverse de l'engrenage pour essayer de m'aider à y aller plus loin. Allez.
Il va se décaler de là, lui. Voilà, piqué en ça. Allez, en plus, il redescend. Ok, non, pas du tout la bonne. Oui, oui, je devine hein, qu'il est arrivé par là, lui. Ce qui fait que la petite étoile que j'ai récupérée, ben voilà, elle est déjà plus. Donc là, nouveau défi, pas se faire toucher par les lames. Alors logiquement, en frôlant bien le... enfin, en se collant bien contre la tour. Oula, pas passé loin lui. Donc il y a moyen juste avec un saut normal, hein, en restant bien appuyé sur proie, parce qu'on peut doser le saut par rapport à comment on enfonce la touche. Donc voilà, il y a moyen de le passer en un coup. Hein. Deuxième fragment. Et on se casse. Donc on n'oublie pas de remettre le compteur. Croisant les doigts de ne pas croiser l'autre dans le mauvais sens. Et lui c'est bon, il est du bon côté, donc il gênera pas. Voilà, on se barre. On se retrouve ici. Et malheureusement, il n'y a pas la sphère verte qui traîne au-dessus. Qu'il y avait avant, il n'y a que des sphères rouges, donc bon, à la rigueur on peut tracer. Et là, merci mon dieu, une petite sphère verte qui traîne, mais là en même temps c'est un peu plus compliqué pour passer. Voilà, faut faire des sauts tout juste, mais pas trop bas non plus. Voilà, c'est bon, impeccable. Ça, j'aurais récupéré un peu plus de santé, ça fait du bien par là où ça passe. Ça, on a compris, hein. Il semblerait que tout l'édifice bouge, machin, gna. Oh, le chapitre 11. Donc, on se retrouve à l'ascenseur central, mais pas au bon endroit. Et là, t'es parti pour faire une vidéo d'une heure 40, là. Les 5 minutes, je pense qu'elles sont passées. Ouais, hein. Non, mais ça fait que 32 minutes qu'on est sur-dessus, donc ça va si on fait que 3 quarts d'heure de vidéo. Donc là, parce que là, au final, j'ai bientôt fini en fait. C'est que moi, j'avais pris plus de temps parce que comme j'étais en découverte la dernière fois, donc forcément, j'avais moins la. Enfin, je savais pas où il fallait aller. Là, je sais exactement où je vais, donc. C'est vrai que finalement, s'il y en a pour 40 minutes de jeu, ce sera le bout du monde. Donc ça devrait aller. Donc là. Ce sera pas le bout du monde plutôt. Si. Si on fait 40 minutes, ce sera le bout du monde. Donc là, on se suicide. Et en fait, tout simplement, pas pour les tuer à eux, hein, parce qu'on s'en tape un peu le coquillard, mais pour récupérer ça. Et pour se faire une sphère bleue. Je me suis tapé le coquillard, tu peux les tuer. Donc là, par contre, on va revenir encore, je crois, au... au club de striptease, il me semble bien. Ouais, voilà, donc on revient ici, donc on va pas refaire tout le chemin à l'envers. Hein. Je suis même pas sûr que la sphère jaune y soit de nouveau, donc. Hein. J'aimerais bien faire le chemin à l'envers. D'accord. La dernière fois, j'écoutais Dave et je l'ai dans la tête, c'est horrible. Ah, mais je sais pas qui peut parler de ça dans ses paroles, donc c'est pour ça que. Non, mais en plus, c'est même pas de Vanina, je crois. C'est. J'aimerais bien refaire un tour du côté de ce Swan. Revoir mon premier amour qui me donnera le bout sous le chêne. Oui, je suis désolée, j'écoute Dave de temps en temps. Heureusement, c'est pas tous les jours. Ouais. Donc voilà, on a refait le plein de santé.
maintenant on va se barrer. Donc là, il faut redonner un coup sur le mécanisme hein, pour encore tourner la porte, enfin, du moins la salle. Donc là, vu que ça se ferme, on peut se douter qu'on est sur le bon chemin. Donc on va avoir droit à se faire les araignées. D'accord, ça c'était ballot, et ouais. D'accord, j'ai lancé l'esquive mais je sais pas ce qu'il m'a fait. T'arrêtes de bouger un peu toi. Je peux t'en mettre plein la tronche. Ouais, un peu calmé. Ouais, d'accord, ok. T'es dans l'embuscade, d'accord. Ici, là, raté l'esquive. Oui, bien sûr, j'ai donné 40 coups pendant qu'il était en train de se préparer, ça l'a pas contré une seule fois, j'allais te le dire. Voilà, allez, garde-toi là. Je peux sortir, c'est... Et nous revoici du bon côté de l'ascenseur central et on va finir le chapitre. Donc c'est sûr que la première fois qu'on fait le jeu, ça peut vraiment se retrouver un gros labyrinthe ici, parce qu'on sait pas trop où on se retrouve. On tourne les portes, mais c'est des couleurs qu'on se retrouve, mais c'est pas forcément indicatif de là où on va aller. Donc c'est le gros bordel tout début qu'on le fait. Et voilà, on va assister à la scène cinématique de fin de chapitre. Ah ouais, ce serait con de la quitter maintenant. Showtime. He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender, enjoy, to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth. Gluttony. Greed. Greed. Envy. Lust, Brass and pride. Donc c'est le péché capitaux hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. D'où le fait que les statues étaient importantes, parce que chaque statue en fait représente un péché capital. Somme de glas de l'humanité. Carnage, une des AP. On dirait vraiment la voix de Wesker, mais en fait c'est pas lui. Non, je trouve pas que ça ressemble tant que ça à la voix de Wesker. Parfois oui, quand il a fait le carnage et le pire, pourquoi pas, mais... Non, pas plus que ça.
T'imagines quand le gars est celui qui fait le roi de Wesker et d'engueuler ses enfants? Bah, s'ils connaissent pas la série des Dantéville, parce que nous, c'est parce que je sais. Ouais. On a fait un copier-coller de sa voix par rapport au charisme de Wesker, mais bon, après. Donc, en fait, hein, c'est un méchant, donc il rigole comme un méchant, hein, évidemment. Comme tu disais. En fait, la voix de Wesker, enfin, du gars, elle ne va pas du tout avec son corps. C'est ça le truc. Mais c'est parce que, comme on l'a tellement collé à Wesker, que forcément, on s'attend à ce que le mec ressemble à Wesker. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc, un petit en S, hein, j'ai vraiment tracé ce que j'ai pu. Bon, par contre, au niveau des gars, hein, je pense que vous l'aurez compris, avec tout ce que j'ai perdu de vie, le petit rendez, il va très bien. Voilà, on sauvegarde. Et on se rejoint dans les studios. Donc voilà, bah, c'était la septième partie de Devil May Cry. Donc on arrive de plus en plus à la fin de... Enfin, comment dire... On s'approche de plus en plus de... Ah, je perds mes mots, ça veut dire, voilà. Hein, plus de la caméra, je perds mes mots, bravo. Donc, bientôt la fin du jeu, en tout cas. Donc on a une mission 15, ouais. Donc jusqu'à la mission 20, il n'y aura plus que 6 missions. Donc peut-être 3-4 vidéos encore. Et encore que peut-être 4, voire 5, ouais, si on vous fait la vidéo bonus. Parce que vous allez voir qu'une mission, c'est certain que ça va me prendre une vidéo, voire deux. Vous allez voir qu'elle est rigolote, celle-là. Donc, je pense que ça me prendra au moins une vidéo, sûr. Après, ça m'étonnerait que j'arrive à la faire plus courte que ça. On verra, hein, peut-être que j'aurai de la chance. Et puis sinon, ben, on tient encore à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent, de plus en plus, ça fait plaisir. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, et amusez-vous bien.